Salut à tous et bienvenue dans l'émission tome 1 où, je le rappelle, il n'est pas question de faire l'analyse, la critique d'un manga uniquement en se basant sur le premier tome, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens à mon humble avis, mais il s'agit ici de lire le premier tome d'un manga sans avoir lu la suite et de se poser la question, une fois le premier tome fini, est-ce que ça donne envie de lire la suite ? Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui risque fortement de vous donner faim pendant la lecture. Je vous conseille donc vivement d'aller vous faire un petit casse-croûte avant que la vidéo ne démarre. Je viens donc de finir le premier tome du manga La Cantine de Minuit, un manga écrit par Yaro Abe et sorti en France chez Le Lézard Noir. Alors Le Lézard Noir, c'est vrai que ce n'est pas un éditeur qui est vraiment sur le devant de la scène par rapport à d'autres éditeurs comme Glénat par exemple, pour ne citer que lui. C'est un éditeur qui propose globalement des mangas moins connus, des auteurs moins connus, et qui s'adresse très souvent à un public peut-être plus curieux, mais donc il nous propose des mangas peut-être aussi plus intéressants. La Cantine de Minuit, de quoi ça parle? Eh bien, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. C'est un manga qui va mettre en scène un restaurant et son propriétaire, et ce restaurant a la particularité de n'ouvrir que la nuit. Il va donc recevoir une clientèle assez bigarrée, assez spéciale, on pourrait dire peut-être. Donc par exemple, vous avez tous les gens qui travaillent la nuit, qui vont venir pour prendre un encas. Vous avez les gens qui travaillent la nuit, qui donc finissent leur journée à l'aurore et qui viennent pour prendre un petit déjeuner. Voilà, ce genre de clientèle. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je voudrais parler du fait que pour les gens qui ont une certaine culture du manga, La Cantine de Minuit va forcément faire penser à un autre manga de Jiro Taniguchi et de Kuzumi qui est Le Gourmet Solitaire, ainsi que sa suite Les Rêveries du Gourmet Solitaire. En effet, de prime abord, on peut se dire que les deux mangas vont avoir beaucoup de choses en commun, ne serait-ce que par le thème, puisque ce sont deux mangas où la nourriture joue un rôle prépondérant et central. Cependant, je vous rassure, La Cantine de Minuit se démarque bien du Gourmet Solitaire, au travers du dessin bien sûr, car il nous propose quelque chose de complètement différent, mais surtout, selon moi, la grande différence dans La Cantine de Minuit, c'est que la nourriture, certes, est très présente, mais elle est plus une excuse pour parler des personnages. Dans Le Gourmet Solitaire, la nourriture est très importante et elle est centrale et elle est décrite avec minutie à chaque fois qu'un nouveau plat est introduit dans les chapitres. L'auteur nous dessine des planches où les aliments, les ingrédients sont très détaillés, aussi bien par le dessin que par le texte. Alors qu'ici, dans La Cantine de Minuit, ce n'est pas vraiment le cas. Certes, à chaque chapitre, il y a toujours un plat qui est introduit d'une manière ou d'une autre, mais encore une fois, selon moi, le focus ne se porte pas sur la nourriture, mais se porte sur les personnes. Alors d'ailleurs, je voudrais parler de la structure du manga parce qu'elle est intéressante et je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire là-dessus. Et pour parler de la structure, je vais d'abord parler du dessin. En effet, le dessin, on pourrait dire qu'il n'a vraiment rien d'exceptionnel. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est moche, inintéressant, etc. Mais c'est vrai que, personnellement, évidemment c'est complètement subjectif, mais je trouve que les dessins n'ont rien d'exceptionnel. Ils sont assez simples, sans être simplistes, mais il y a une chose qui est frappante, c'est à cause de la nature de l'histoire du récit, quasiment tous les chapitres, et donc tous les dessins, toutes les planches, se passent au même endroit, c'est-à-dire dans le restaurant. Du coup, c'est vrai que on pourrait penser aïe aïe aïe, un manga qui en plus fait, le premier tome fait à peu près 300 pages, dont l'action va toujours se dérouler dans le même lieu, quasiment dans la même pièce, on pourrait se dire ça va être vite ennuyeux. Eh bien, et c'est là où j'en viens à la structure, eh bien en fait non, en tout cas toujours selon moi, l'ennui n'arrive pas grâce justement à la structure. Ici,
il ne faut pas s'attendre à un manga où l'aventure va se dérouler au fil du livre, au fil de l'ouvrage, mais en fait, il est divisé en beaucoup de petits chapitres, de courts chapitres, je dirais comme ça, peut-être 10, 15 pages par chapitre, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et chaque chapitre introduit, illustre un client spécifique de l'établissement. Alors quelquefois c'est un client, c'est un habitué, quelqu'un que le patron connaît déjà, ou alors ça peut être un nouveau client qui va rentrer dans le restaurant. Et donc, comme chaque chapitre se porte sur un personnage en particulier, à chaque chapitre, on découvre un peu l'histoire, la vie de ce personnage spécifiquement. Et grâce à ça, ça nous permet d'illustrer d'autres lieux. C'est pas toujours le cas. Mais par exemple, il va y avoir le personnage de la stripteaseuse, et bien on va la voir dans son nightclub, dans sa discothèque. Tout de même, la majorité des décors, c'est toujours le restaurant, mais grâce à cette structure épisodique, et bien selon moi, on peut facilement éviter l'écueil de l'ennui. Du coup, pour moi, La Cantine de Minuit, je pense que c'est un très bon manga si vous prenez les transports en commun. Parce que ça vous permet, admettons, vous passez 20 minutes, 30 minutes dans votre métro, dans votre bus, eh bien ça vous permet de lire 2, 3, 4 chapitres et de vous arrêter là, et vous pouvez reprendre la lecture même plusieurs jours après. Comme chaque chapitre est indépendant du précédent, puisqu'il introduit un nouveau personnage, eh bien, cette structure épisodique, je pense, sert bien ce manga. Ainsi, La Cantine de Minuit, c'est un manga qui a l'avantage, j'ai envie de dire, d'avoir une personnalité marquée. L'idée est toute simple. Un homme qui tient un restaurant qui est ouvert que la nuit, et à chaque chapitre, vous allez voir la faune nocturne arriver et découvrir leurs histoires grâce au restaurant, grâce à la nourriture. Vous aurez par exemple des personnages qui vont se rencontrer grâce au restaurant. Alors, par exemple, ils peuvent devenir amis parce qu'ils vont se rendre compte, si c'est des habitués, qu'ils ils ont tendance à commander les mêmes plats. Ou alors, ils commandent les mêmes plats mais ils ne les assaisonnent pas de la même manière. Donc ça va toujours être... La nourriture va être toujours le déclencheur d'une discussion, d'une conversation. Et à travers de ça, les amitiés vont se lier. Ou pas toujours le cas, parfois des amours. Je pense que c'est à la fois simple, tout en étant original, tout en étant malin, j'ai envie de dire, et tout ça en évitant l'ombre, selon moi, d'un manga plus connu qui parlait un petit peu de la même chose, c'est-à-dire quand même d'avoir un manga centré sur la nourriture, qui était Le Gourmet Solitaire de Taniguchi et Kuzumi. Alors au final, comme d'habitude, il est temps de se poser la question, à la lecture du tome 1, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Eh bien personnellement, oui, car je suis très friand, jeu de mots, de ce genre de manga, à la fois simple, épisodique, mais en même temps intelligent, et avec tout cet aspect tranche de vie. Alors je suis bien conscient que c'est un manga qui est susceptible de ne pas plaire. Je pense par exemple à un lectorat assez jeune, sans vouloir faire de généralité, parce que c'est vrai qu'il faut avoir conscience que c'est un manga où il n'y a pas d'action, pas de rebondissement. Comme je le disais, la structure est épisodique, donc il n'y a pas ce sentiment de continuité. Donc je pense que c'est un manga qui est fait pour les gens qui aiment déguster par petites bouchées comme ça, des livres, plutôt que quelqu'un qui veut se lancer dans une fresque épique, une grande aventure. Donc là, si c'est votre cas, je pense que vous n'allez pas du tout adhérer. Mais si vous voulez quelque chose qui est très reposant, quelque chose qui parle un petit peu de la nature humaine, sans être trop pompeux, même pas du tout pompeux, si vous aimez, si vous vous intéressez à la nourriture, si vous vous intéressez évidemment spécifiquement à la cuisine japonaise, bien là par contre je pense que ça risque fortement de vous intéresser. Et bien personnellement moi je vais effectivement lire la suite, ça m'intéresse. J'attendrai de voir dans les commentaires si ça vous a intéressé, si vous l'avez lu, et si vous ne l'avez pas lu, j'aimerais savoir est-ce que cette introduction vous a mis l'eau à la bouche. Je vous remercie énormément comme d'habitude d'être présent sur la chaîne et d'essayer d'être curieux, de vouloir découvrir des mangas qui sortent un peu des sentiers battus,
voilà, d'être intéressé par autre chose que les grosses machines, j'ai envie de dire, un peu publicitaires du manga. Voilà, et d'être là, je sais qu'on n'est pas encore très très nombreux, mais petit à petit, on commence à grandir, et ça, évidemment, c'est grâce à vous. Comme d'habitude, lorsque vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux, et pour ça, comme d'habitude, je ne peux que vous en remercier très chaleureusement. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et puis j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très très bientôt sur Au Rayon Manga pour de nouvelles découvertes, pour de nouvelles mises en lumière manga, bien évidemment.